Donc ça, c'est la première version de chez Autel. Voilà, de l'Evo 2, version Evo 2 Pro. Voilà. Il est magnifique. Donc là, dessus, tu as une caméra 1 pouce, c'est ça? Voilà. Je ne sais pas si on peut bien la voir. Ouais. Ça filme en 6K. 6K, voilà. Qu'à mettre la batterie. Les différents capteurs devant, derrière, sur le côté, en dessous. Donc omnidirectionnel. Voilà. La grande classe. Là, aucun risque de percuter quoi que ce soit. Bah, en principe, non. La batterie. D'accord. On peut tabler sur. En fonction de la météo, la température, on peut tabler sur une demi-heure d'autonomie, largement suffisant pour l'usage qu'on peut en avoir. Voilà. Ok. Que vous dire d'autre? L'emplacement pour la carte SD. Ouais. Micro SD. Micro SD. Voilà. La prise USB-C de ce côté-ci. D'accord. Voilà la bête. Alors, pour l'accompagner, le remote, c'est ce qu'il faut. Super écran. Ah, génial. Rien à redire. Est-ce que tu conseilles à l'achat cet Autel Evo 2? Alors, juste une petite question, c'est l'Evo 2, mais tu m'as dit qu'il y avait une version 2, et là c'est la version 1. Voilà, donc c'est l'ancienne version, si on peut dire. D'accord. Mais super matériel, ouais. Une autonomie sans problème, annoncée 35 minutes, mais bon, table sur 25 au moins, 25. Donc c'est largement suffisant. Ouais. Et non, franchement, du très bon matériel. D'accord. Rien à dire. Donc, capteur 1 pouce et vidéo 6K. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Une bonne qualité d'image. Si effectivement, on en a besoin. À côté de Mavic Air 2, tout petit. Voilà, moi. Hop. Oh, les hélices, elles sont énormes. Ah, c'est clair, les hélices. Pas bruyant. Tiens, mets-le comme ça, voilà. On va montrer à la caméra. On peut dire comme que... Comme ça, les hélices. Voilà. Hop. Les capteurs. Mavic Air 2. Ouais. Superbe. Ok. Voilà. Allez, merci à toi en tout cas. Bah, je t'en prie. Yannick, pour cette session vidéo. Vraiment content de découvrir l'Evo 2. Voilà, dans un cadre splendide. Ouais.